Nous passons une année à nous préparer pour rentrer à l'école royale militaire dans le but de réaliser nos 5 ans d'études et de devenir officier. De Koninklijke Militaire School is een universitair niveau. Voor mensen die niet geslaagd zijn in een Engels examen of niet behaald gerangschikt, kunnen zich hier verbeteren. Zodat ze zich echt kunnen aanpassen, ook aan het militair milieu. Want hier krijg je ook een beetje het militaire gevoel meegegeven. Dat is een heel goede voorbereiding, denk ik, voor het Koninklijke Militaire School. Nous avons eu 2 semaines de stage militaire, assez basique, pas très poussé, pour éviter de perdre du temps, je vais dire, car cette année est principalement centrée sur l'étude afin de réaliser les examens de l'école militaire. Donc nous recevons des cours de maths, de français, de néerlandais et en complément d'histoire, d'anglais, de physique pour diluer un petit peu la matière. Mais les trois matières principales restent les maths, le français, le néerlandais afin de nous aider à faire les meilleurs points possibles pour l'examen d'entrée. Een niveau dat eigenlijk tussen het secundair en de universiteit hogeschool inhangt, maar ze beginnen eigenlijk in het begin wel van de basis, derde, vierde jaar middelbaar, om echt stapsgewijs op te werken naar een niveau dat de universiteit aan kan. Minstens 1 keer per maand zijn er toch een militaire oefening of een externe oefening, zodat je een beetje leert doorbijten. Nous allons ensuite rentrer à l'école royale militaire à Bruxelles, où nous aurons le choix entre 2 branches principales, la polytechnique ou les sciences sociales et militaires, qui sont les 2 choix principaux afin de réaliser nos études. Ensuite, nous recevrons au cours des années différentes possibilités pour améliorer notre choix et nous cibler vers un corps d'armes spécifique. Donc, représentation des teams. On retrouve le team Alpha ici en noir. Grootste voordeel is dat je perfect wordt voorbereid op de Koninklijke Militaire School. Ze helpen nu van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, ze begeleiden nu in alles. Ze geven nu ook veel tips en tricks mee op het militaire gebied, terwijl ze dan niet verplicht zijn om dat te doen. De désavantage, pourrait-on dire, par rapport au civil, c'est que nous sommes 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 à la caserne. Donc totalement différent par rapport au civil, étant donné que nous revenons que le week-end. Maintenant, une personne qui est faite pour l'armée ne voit presque pas de désavantages, elle ne voit que des avantages par rapport au groupe, à la convivialité qui règne, à la fraternité et à son envie d'avancer pour justement réaliser un métier qui lui donne envie de travailler dessus durant tout le reste de sa vie. Bonne nuit les gars. Bonne nuit.